Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des subventions que vous pouvez obtenir pour ouvrir votre franchise. Chez Atom 3D, on a à cœur d'accompagner et nos collaborateurs et nos futurs franchisés. C'est pour ça que ce podcast vidéo existe, c'est aussi pour vous accompagner à vous dans votre démarche pour monter une franchise avec Atom 3D. Mais d'abord, qui est Atom 3D ? Atom 3D, c'est le leader dans la distribution d'imprimantes 3D, scanners 3D et consommables. Si le projet de franchise Atom 3D vous intéresse, suivez cette vidéo et je vous explique tout. Je suis Jade, la responsable développement franchise, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment aborder les aides financières qui peuvent vous aider à monter votre projet de franchise Atom 3D. Évidemment, pour financer le projet de franchise Atom 3D qui s'élève à 80 000 euros, il faut avoir un apport personnel. C'est seulement cette somme qui vous suffit pour lancer le projet. Il est de 30 000 euros chez nous et dans ce podcast, on va justement aborder les aides financières qui pourraient vous aider à faire le déclic qui va vous permettre de lancer le projet. La première aide à laquelle vous pouvez prétendre est l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Comme vous le savez, lorsqu'on ouvre une société, il faut payer des charges. Cette aide vous permettra de bénéficier d'une exonération partielle de ces charges. Pour y prétendre, vous devez être en début d'activité et ne pas avoir bénéficié de l'ACRE au cours des trois dernières années. L'ARE est la seconde subvention qui pourrait vous intéresser. L'aide au retour à l'emploi s'applique quand vous êtes déjà demandeur d'emploi ou quand vous avez été privé involontairement d'emploi. Ce cas-là, ça concerne par exemple des cas de CDD qui n'ont pas été renouvelés ou sinon une rupture de contrat conventionnel. Une fois que vous êtes inscrit à Pôle emploi et que vous pouvez bénéficier de l'ARE, cela vous permet de lancer le projet de franchise Atom 3D tout en continuant de percevoir vos allocations chômage. Le montant et la durée de ces allocations dépendront de votre profil professionnel et de votre âge. Afin d'avoir plus de renseignements, je vous invite à prendre rendez-vous avec votre conseiller ou votre conseillère Pôle emploi qui va vous aider à monter ce projet de franchise Atom 3D. Dans le cas où vous êtes éligible à l'ARE, vous avez aussi la solution ARCE. Cette aide est en tout point similaire à l'ARE, à l'exception qu'elle ne se perçoit pas de façon mensuelle. L'avantage de cette subvention, c'est qu'elle vous permet de compléter l'apport de départ pour lancer la franchise Atom 3D. Comme je vous le disais juste avant, il faut choisir entre l'ARE et l'ARCE. Si vous avez déjà votre apport pour lancer la franchise Atom 3D, je vous conseille de choisir l'ARE, vu que vous allez continuer à toucher vos subventions tous les mois. Par contre, si vous manque justement un petit capital pour lancer la franchise et compléter votre apport, l'ARCE sera le meilleur choix pour vous. On va finir ce podcast avec le NACRE, le nouvel accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est hyper intéressant parce que ça se cumule avec ce qu'on a cité juste avant et que ça relève non pas d'une aide financière, mais d'un accompagnement. Vous allez pouvoir rencontrer des conseillers qui vont vous accompagner dans divers sujets du montage de votre entreprise, c'est-à-dire la partie financière, la partie juridique ou encore la partie formation. Ces tâches ne sont pas toujours faciles à gérer tout seul, elles ne sont pas toujours plaisantes non plus, donc c'est super sympa d'avoir l'accompagnement d'un conseiller, surtout que cet accompagnement peut durer jusqu'à 3 ans. On en a fini avec les aides principales les plus connues. Cela dit, je vous invite à contacter les chambres de commerce, Pôle emploi, etc. pour voir s'il y a d'autres subventions auxquelles vous avez droit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez liker ou vous abonner. Sayonara !